Salut tout le monde, c'est Suzuka! デバグモードポケットようこそいらっしゃいました。今日はですね、広島の撮影の第1日目です。果たして何が起きるでしょうか。私もなんとですね、その場のノリでジャパンイモーションに出演することになりました。広島大好き。さあ見てみましょう。Donc voilà, on vient d'arriver à Hiroshima, on nous installe au 20e étage d'un super hôtel. Et là, je continue à monter comme ça avec toute la ville devant moi, c'est très agréable. Ensuite, le matin, on se réveille assez tôt pour aller à TSS, la chaîne de télévision qui produit Japan in Motion. Et c'est une vraie chaîne de télévision, hein. C'est Panolife, c'est une chaîne hertzienne déjà. Ils ont des régies en veux-tu en voilà, du matos de fou, deux immeubles de 10 étages. Et à l'intérieur des immeubles, il y a même une école de danse et de chant pour des élèves qui veulent devenir chanteuses ou Idol. Et on a tourné un Tokyo Café avec Suzuka qui suit les cours, et vous allez voir, c'est pas triste. Ça faisait quand même 4 jours que je dormais 3 heures par nuit, donc là, dès que je me posais, je m'endormais immédiatement. J'ai quasiment dormi pendant tout le voyage qui nous a emmenés au fond des montagnes pour aller tourner la deuxième partie de la journée dans un espèce de faux village médiéval reconstitué avec une représentation de Kagra, forme de théâtre japonaise avec beaucoup de danse et de chant. C'était assez sympathique, ambiance plutôt pique-nique hein, dans la salle avec tout le monde à même le tatami. Kagra, c'est le spectacle. Je crois que maintenant on va aller parler avec les acteurs. Déguisement. Là, on se dirige vers une deuxième salle pour aller continuer le tournage. Et sur le chemin, évidemment, l'équipe en profite pour faire quelques plans des rues. J'ai peur de me faire encore déguiser en je sais pas quoi. Alors c'était super, surtout que le déguisement était facile à mettre et ça c'était bien. Alors maintenant ça va être la scène de la dégustation. La scène de la dégustation, c'est un passage obligé des émissions japonaises. J'adore ça. Et donc ça va certainement être un des trucs les plus amusants à filmer. Je les avais déjà vus faire pendant la cérémonie du thé, mais là, une deuxième fois, j'étais impressionné par le sérieux et le côté un peu sacré et solennel qu'ils mettent dans ces scènes-là. Ils filment vraiment avec beaucoup de soin tous les détails de la nourriture. C'était très beau à voir et c'était même assez touchant. Oui. Ensuite, ils ont tenu à nous faire un petit cadeau, une petite surprise. Ils sont rentrés tout seuls à Hiroshima en voiture, ils ont refait les 2 heures de route pour redescendre de la montagne, et ils nous ont laissé au ryokan, Suzuka et moi. Donc j'avais carrément une chambre avec mon nom dessus en katakana, c'était super impressionnant, et vraiment un très très gentil cadeau pour cette fin de tournage, parce que là, c'était le dernier jour de tournage avec eux. Alors pendant ce voyage, j'ai fait un montage dans le train Nozomi, j'ai monté aussi au 20e étage du super hôtel qu'on avait à Hiroshima, et là, je fais carrément du montage dans un ryokan, une auberge japonaise. Je crois que c'est les conditions de montage les plus agréables que j'ai jamais eues. Par contre, il n'y a pas internet.